Like, have you got any double? J'ai bien initié la page chez le Rédouin, donc Chelsea, peut-être que je traîne avec le Grand Glam. Donc Chelsea, on dit qu'on a rencontré le Grand Glam, donc quel type est allé sa rencontre là? Oui, alors suite à la déclaration de Van Leader, de. D'une part et d'autre, plusieurs dates de manifestation. On a pris les devants pour contacter ben, différents leaders. Alors, on a contacté le docteur Nabil Abdoulam, l'honorable Paul Béranger, l'honorable Xavier Duval et aussi M. Bruno Loret pour s'inquiéter si capable d'avoir une certaine entente. C'est la première fois que je suis le docteur Abdoulam officiellement, on est d'accord avec lui officiellement. Et que, pas pour compromettre ce privilège pour faire certains commentaires lui-même, mais par contre, mon cas de Jaou qui nous le même le perdon en ce qui concerne l'appréciation de la situation politique aujourd'hui. Nous sommes d'accord qu'ils ont dit, je pense que c'est la première fois que le public est vraiment plein, à mi-mandat, avec tout un gouvernement. Et qu'il perd toute confiance dans son gouvernement actuel. Il est aussi vrai que la population, dans son ensemble, il perd toute confiance dans sa premier ministre, parce qu'au-delà de de l'arrogance, de la scandale, il est aussi écoutement menti avec les peuples et trahi à la confiance de les peuples. Veut dire, les peuples, d'après nous feedbacks, et nous allions nous là, assez en colère et définitivement envie de donner une leçon en termes de protestation pour dire à ce gouvernement-là aller le plus vite possible. C'est pourquoi je fais un attempt pour ces causes avec mon leader pour s'inquiéter si toutefois je dois considérer une date commune pour que les peuples aient l'occasion de descendre. Personnellement et humblement, je pense que ce n'est pas l'air pour être colère politique. Ce qui est plus important, c'est que les peuples ont exprimé et pour ça, nous sommes rassemblés, nous sommes des salles, au moins une seule les peuples, au moins une seule Maurice. Alors moi, pour humblement et request, je vous propose aussi avec mon rap Duval et Banneres, et moi aussi besoin, pas juste ban leader politique, ban grand parti, mais aussi ban petit parti, ban nouveau parti, ban ONG, société civile, pour que ces gens tous, autant de monde que nous sommes capables cette semaine-là. Pour dire à ceux qui, si nous sommes capables de descendre une seule date, sachent pour faire plaisir à l'épée. D'accord. Voilà. Je vous demande au premier intervention, nous parlons de plus, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, nous parlons de l'Open Party, il y en a qui a dit qu'on fait travailler tous les amis, et là, on peut rencontrer une fois, il y a une question de temps. Non, le discours-là est totalement cohérent, parce que là, nous parlons d'une logique électorale. Là, côté l'été, c'est qu'il y a une réalité, il y a une partie politique traditionnelle, c'est un leader qui l'a, et il y a un nouveau parti aussi. Et tout le monde, ils ont rassemblé. Je vous rappelle qu'on utilise dans mon premier discours aussi, dans mon deuxième intervention aussi, dans mon troisième intervention aussi à la radio. Ils l'ont rassemblé, pas une lèvre d'être colère politique. Qui s'en a pour venir, qui l'alliance pour faire tout cela capable d'appeler. Ça qui, pour moi, humblement, mon pensée, comme un citoyen, parce que moi aussi, je comprends ce que je veux, c'est que nous avons vu ce gouvernement-là aller. Après, à part de décider qui s'en a qui tire le fait qu'on vit, qui l'annonce envie de faire, qui va être politique conformée, etc. Alors, il y a deux phases pour moi. La première phase, c'est qu'il définitivement donne un signal à ce gouvernement. Donc, aujourd'hui, au pèlerinage de Dialou, le Radio Plus, on est débuté, on rejoint une bonne partie de l'opposition. Une rencontre avec Nabil Abdoulam, comment vous qualifiez sa rencontre-là? Une personne qui est tout un adversaire politique, une partie qui est proche. Je pense que c'est très agréable. Vous connaissez comment on connaît mon combat politiquement. Et que c'est la première fois en fait, que j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Vous êtes déjà dit très à l'écoute. Et que je retrouve beaucoup de similarités en termes de pensée en ce qui concerne l'appréciation de la situation. C'est-à-dire qu'il est aussi conscient, ça qui est un peu pérodé,
et que les restes vous laissez le privilège de commenter en temps et lieu, parce que ça c'est le balida en tout pour décider comment faire. Mais nous voulons nous parler aujourd'hui, nous avons un parti politique traditionnel, nous avons un nouveau parti aussi. Nous avons la société civile pour nous dire, il faut dire que tout le monde met nous une différence de côté. Si vraiment nous en colère, si vraiment nous avons une frustration et une perte de confiance dans ce gouvernement-là, nous avons l'occasion d'exprimer ça démocratiquement, mais comment dire les peuples. Du moment où nous commençons à diviser, nous avons plusieurs dates, nous avons plusieurs choses, il n'est pas pour faire justice à les peuples, c'est ça qui fait. Voilà un peu pour l'initiative. La semaine dernière, sur l'adresse à la nation, le Premier ministre Pravin Jagnat qui nous pose l'annonce, Shérif Singh, l'opposition, Baron Ladrogue, les journalistes, ainsi de suite. Et là, avec sa rencontre, là on va alimenter un petit peu, comme si les paroles du Premier ministre. Oui, vous connaissez, pour défendre les autres, comment vous connaissez ces temps-ci, ils peuvent débiter un peu n'importe quoi. Shérif Singh est un individu quotidien, il n'y a pas question d'alliance avec qui que ce soit. Il y en a un individu, en temps et lieu, ce qu'il y a pour faire et quand il y a pour faire, quand on finit de descendre, on joigne les peuples. Là, on peut décider qu'il y en a pour faire. Là, on descend un petit peu, on comprend ce qu'il fait pour envie. Pourquoi on comprend ce qu'il fait pour envie. Et ce qu'il fait pour envie, c'est qu'il nous descend comment insérer les peuples. Mettre politique de côté, mettre les couleurs politiques de côté, nous descendons comment insérer les peuples. Si nous réussissons à faire ça, nous guettons qu'il est peuple fait. Mais là, on peut connaître si pas ce gouvernement-là, quand je vais passer en bout pour dire ce qu'on veut pour venir, nous guettons. Et moi, pour vous, juste souhaiter que ça arrive. Vous pensez bien, Michel Demanou, qui est le Premier ministre, il dit aussi, dans sa adresse à la Lanchara, il dit pour moi, il fait un manuel d'enquête pour faire, donc tout va en acquisition, il va utiliser le ministère de l'économie. Avec plaisir, vous voyez, moi, depuis que mon enfant, je suis déjà dit, même quand on a l'attaque avant, on est là, les premiers ministres, le ministère télécom sous son contrôle, faire toute l'enquête qu'il a envie, avec plaisir, moi, t'en lis de pied ferme, parce que je me disais, tiens, où il faut dire, soit vous prenez moins perdre la tête pour le compter le Premier ministre, soit il faut dire au clean. Alors, on va pas guetter les temps que dire. Mais quand vous êtes bobby à l'Iran, vous avez un FM, vous avez un Huawei, vous avez un backdoor entry, vous avez une surveillance la Chine, vous avez un affaire là. Du gros, c'est bien. Vous avez dit que vous êtes un type dans la gazette, pourquoi nous avons un Yassine, là, Yacine, il crée, il dit, on connaît les traces en l'air quand il crée tout le monde. Malheureusement, je vais vous donner un argument. Bon, camarade Bobby, vous venez sur la petite camarade avec moi, on va pouvoir commenter le ban les restes parce qu'ils ont une instruction depuis la cuisine pour faire certaines affaires, ça nous connaît. Moi, vous connaissez comment les voir aussi. Je vais dans le choix. Mais malheureusement, je perds dans un chemin qui peine à sortir parce qu'il permet de faire l'abattoir. Il y a deux ou trois ministres qui finissent brûler complètement parce qu'il permet de cause le ban topique qu'ils n'ont pas maîtrisé et qui peut donner une fausseté parce que quand finalement on trouve la vérité sortie dans la presse. Et je salue la presse aussi pour le travail d'investigation que je peux faire parce que je trouve beaucoup d'analyse des sorties. Mais ça nous laisse les peuples juger parce que ça n'a pas cause la vérité, ça n'a pas cause mort, ça peut venir de plus en plus évident. Ça va m'embarrasser avec Huawei là, la façon que ça vous, au fait, les bons poser la question là, il est extrêmement irresponsable ça qui m'en a fait faire. Après qu'il nous finit embarrasse un pays, c'est-à-dire l'Inde, ex-premier ministre, Aster, pendant une décide pour embarrasser la Chine et Huawei. Quand je connais qui, sans aucune grève, sans aucune bonne affaire, je peux faire ma dénonciation au niveau d'un gouvernement. C'est un ministre d'un gouvernement qui finit des causes comme une grande compagnie, Huawei ou autre. Et je trouve ça aberrant qui s'inquiète là, je vais voir de la guerre et qu'un autre gouvernement. Je dis que nous étions, sans encore une fois spéculer, je pense qu'il y a plusieurs ambassades qui ont collé avec nous. Et c'est ça qui m'arrive à l'habitation Maurice. Comment on peut faire ça avec d'une façon aussi irréfléchie? Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème avec mon investisseur qui pouvait investir ici? Je ne peux pas croire qu'il nous peut gagner, mais si il nous peut gagner. Ça n'a pas envie d'investir quand on a tout ça qui peut arriver ici. Là. Et de toute façon, après ça que nous trouvons qu'il arrive, nous dit ceci, quand on trouvait comment nous peut gérer nos bonnes relations diplomatiques, moi je pense qu'il nous peut diriger vers une vacation économique à ce terme. Alors, nous avons beaucoup de problèmes d'Ivan. À cause de ça, je pense qu'il est peine à confiance que ce gouvernement-là pour capable de handle la situation. Divant. Et les peuples bizarres et à l'occasion exprimer démocratiquement les descendent, vous espérez, une seule date, nous tous gagnons l'occasion de descendre et ne pas diviser. Vous avez besoin de vous déranger aussi? Absolument. Nous nous rappelons déranger ce matin, Tipri, donne indication qu'il soit cet après-midi ou demain matin ou plus tard, peut-être plus. Mais là, on a besoin de l'honorable Sadi à 11h30, 11h45. Et puis, comme vous savez ici, que le Louette a mis le temps.
Chérisel, nous avons une question un petit peu plus précise encore. Conscience claire concernant Huawei, avec ce qui nous prétendait, ou déjà côté au pays de l'Ottawa. Nous connaît le Premier ministre tient à cœur le projet Simplicity pour Huawei, et aussi en tant que CEO de recherche télécom. Là, actuellement, là, on peut dire que conscience claire est un noyer qui nous pensait faire. Algui, mon conscience tout le temps claire. Parce que sans une conscience claire, on ne peut pas à cause, et sans sincérité, on ne peut pas à cause de moi. Alors, si mon affronte un premier ministre, si je veux dire devant les peuples, ça que je veux dire, pas si mon conscience claire, je veux dire que moi, je ne peux pas croire dans cette allégation forte de l'État. Il n'est pas bon à l'attaque de pays et de compagnie ou non. Safe City, je veux dire, malgré qu'il pour moi, il y a arrangement pour dire que Safe City est capable de tenir un problème, etc. Je veux dire que Safe City n'a aucun problème. C'est un projet fantastique qu'il fait. Existe à ce là après cette bonne année, que vous avez trouvé problème, enfin pas vous, vous avez trouvé problème avec Huawei, quand on me trouvait dans la gazette qu'il est 6 avril, l'Inzouen Huawei, où il y a un problème de sécurité nationale depuis l'année dernière, où on décide pour faire un survey finalement en avril de l'année là, et avant ça, Huawei ou l'équipe, ou Zouen président Huawei, il y a un problème. Soit vous pouvez cause menti, soit vous pouvez couillon les autres pays là, on n'est plus connu que vous pouvez faire, mais ça quand même pas responsabilité. Oui, c'est pour aujourd'hui ou trois rendez-vous là pour aujourd'hui 6 pour ça. 6 pour ça. Vous essayez, pour me dire humblement, request surtout, reconsidère, vite une attaque posée pour qu'ils aient tout pour une date commune. Si il n'est pas arrivé. Entre 7 et 12, je peux dire. Entre des dates là, vous allez trouver une date commune. Moi, qu'importe si c'est le 7, 12 ou une autre date qu'ils ont tout homme d'accord. Qu'importe. Mais c'est une date qui est bizarre pour tout le monde mauricien. Il n'est pas parce que vous n'êtes pas content d'Intel ou bien Intel qui va descendre. Si vous pensez que vous pouvez tout faire, vous pouvez trembler, que vous perdez toute confiance dans ce gouvernement, il faisait une date pour vous garder ça. Un mois d'ici là, le 1er juillet, tout il aura du prix. Le lendemain, tout il démissionne. Vous dites, vous faites un pèlerinage, vous voyez un bon leader politique. Vous voyez qu'il est peut-être pensé, mais s'il est peut-être tiré l'événement tsunami ou l'événement tsunami. Tsunami là, venu. Pourquoi tout le journaliste est au courant des arts et tsunami là, des arts là? Déjà fini de parer, et c'est à cause de ça que je me disais si je donne une seule date, on va arrêter si il y a un tsunami ou bien un tsunami dans mon pays. Moi, 100% confiant. Moi. Quand j'aime pas mes bisous en haut, c'est bien temps. Vous disiez moi, pourquoi vous avez l'appel bientôt là? Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était l'ex-CEO. Déclaration de l'ex-CEO de Maurice Télécom, Sherry Singh, Kevin Feyer. Après, voilà. Quelques personnes qui passaient devant.